Mesdames et messieurs, on est reparti pour une découverte assez particulière. Un concept de jeu qui a l'air déjà différent et original, donc évidemment, ça donne envie de découvrir. Et puis, la direction artistique, en fait, a l'air d'être au sommet, un visuel absolument merveilleux. On verra le concept tel qu'il nous l'est proposé. Déjà, bonjour pour les gens qui sont sur YouTube, évidemment, j'oublie à chaque fois les formalités. Mais donc, on est sur un jeu qui se résume de la manière suivante. La légende raconte qu'un jour, un voyageur saura réunir les peuples de la tour. Diviser depuis la nuit des temps, observer, écouter, déchiffrer des langues anciennes dans un univers fascinant, inspiré du mythe de Babel. C'est un jeu dans lequel on va explorer un univers fascinant, soutenu par une narration percutante, inspirée du mythe de Babel, observer l'environnement et résoudre des nombreux puzzles afin d'élucider les mystères qui nous entourent. Donc en gros, un jeu de réflexion, un jeu de puzzle et un jeu dans lequel on va devoir, si je comprends bien ce qui m'a été dit sur le chat, décrypter un langage, des symboles, un jeu qui va se révéler à nous dans un instant. Je passe en plein écran. On va appuyer sur jouer. On va mettre ça dans un emplacement vide. Nouvelle partie, la démo est en français. C'est parti. Ok, c'est beaucoup trop beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop beau. Et surtout, bon, évidemment, voilà, je sais que la comparaison avec Sable sera faite, c'est évident. Ça m'a l'air beaucoup plus carré, en fait. En termes de rendu. Après, Sable a des fulgurances de fou en termes de panorama et en termes d'expérience, un petit peu d'exploration et tout ça. C'est un jeu très différent et un jeu très intéressant. Mais juste si on parle du rendu graphique pur, effectivement, je trouve ça plus propre, en fait. On va voir sur l'ensemble de l'aventure, voir un petit peu comment les choses sont faites. Alors je m'attendais pas à me déplacer directement avec le personnage, et en plus se déplacer rapidement, ce qui est plutôt agréable. Donc le jeu est fait par... attendez, vous l'avez vu sur le début, c'était Rundisk, qui, si je dis pas de bêtises, est un studio français. C'est édité par Focus, et le jeu n'a pas encore de date de sortie, à moins que je dise une grosse bêtise, mais en tout cas sur Steam, il n'y a rien affiché. Allez. Oh, ah oui, c'est beau, hein. Ouh là là. Et alors, trop drôle, le délire des scanlines en diagonale. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, parce que c'est le genre d'effet qui prend mal la compression et l'encodage des streams, mais plutôt marrant. Alors, le journal enregistre tous les glyphes que vous découvrez. Pour l'afficher, appuyez sur le bouton journal. Vous pouvez aussi l'ouvrir en sélectionnant directement un texte. D'accord. Nous avons ici effectivement des glyphes. Quand vous pensez avoir deviné le sens d'un glyphe, sélectionnez-le. Puis utiliser le bouton d'annotation pour consigner votre hypothèse. Pour quitter le journal, utilisez le bouton annuler. Donc c'est un jeu dans lequel on va devoir deviner le langage. Alors ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, c'est complètement l'école de The Witness. Et dans une certaine mesure, Outer Wild. Cette idée de nous faire découvrir les codes du jeu en y jouant. Alors si je regarde ici, j'ai envie de dire... Bug corrigé. Je pense que nous sommes ici sur ouverture. On valide. Derrière, on va valider celui-ci qui doit être porte. Mettons, porte ou levier. On va mettre les deux. On valide. Derrière, on imagine... Ah, merde! C'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, c'est soit activé, soit fermeture. On va tenter un truc comme ça. C'est validé. Donc là, fermeture porte-levier, ouverture. Donc on a l'hypothèse qui s'affiche. Ça a l'air effectivement assez cool. On va voir. Alors je joue entièrement la manette, mais évidemment, ouais, pour taper, c'était quand même pratique au clavier. Même si j'aurais pu le faire avec la manette également. En cas de besoin, utilisez le bouton indice pour dévoiler tous les éléments interactifs autour de vous. Donc RB qui permet de voir les points d'interaction, effectivement. Et on voit des petites choses. Fermeture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Très bien, donc il y a en gros ouverture en 3 et en 5. On va faire ça. Je suis assez curieux de voir jusqu'où le concept peut aller.
avant qu'on se dise qu'on ait fait le tour. Mais c'est sûr et certain qu'il y a une vraie méga idée derrière le projet. Et je suis déjà très emballé en fait. Hein. Je trouve ça vraiment très 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 cool. Écoutez, j'ai peu dormi la nuit dernière. Donc là, il y a un moment, je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux. C'est bon, c'est ça. Donc c'est bien. Haut, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà, on était bon. Et donc après, ça doit être levier plus que porte. On avance, c'est parti. Ah, quand soudain, je prends des notes. Ah, joli. Placez chaque glyphe dans l'emplacement qui semble lui correspondre en le déplaçant grâce au bouton d'action. Ah, c'est ouvert, fermé. Ah bah d'accord. Ah bah il donne la réponse. Alors, normalement, c'est bien corrigé. J'espère ne pas m'être trompé. Ah voilà, c'est ça. Et donc une fois que tu as compris, en gros, on te le valide. Très bien. Donc il y a quand même ce sentiment de ok, tu cherches, mais on te donne la réponse au bout d'un moment, histoire de pas non plus te laisser complètement dans le jus. Ce que je trouve presque un peu dommage au final, parce que je me dis que ça aurait été marrant de vraiment tout chercher de zéro. Mais bon, après voilà, faut voir ce que le jeu essaie de raconter et ce qu'il essaie de faire plutôt que nos attentes vis-à-vis d'un concept. Oh, c'est beau. Au secours, c'est beaucoup trop beau. Ok. Ah, vous dites qu'après, ça deviendra plus dur de valider les mots. D'accord, ok, super. Oh, je suis extrêmement fan à la fois des couleurs et de la direction artistique. Alors ça, j'imagine que ça veut dire bonjour. Ah oui, parce que même les langages... Ah, attends, j'ai pas eu le temps de finir. Attends, je peux revenir sur ce qu'il a dit ou pas? Ça, c'était bonjour, ça. Après, on sait pas s'il nous a dit salut, ça va, machin, donc on va maintenir juste le bonjour. Ah, alors attends. Ouvrir porte, on l'a. C'est juste le premier qu'on n'a pas. Alors, on va dire peux-tu? Un truc comme ça, j'imagine. Peut-être pouvoir. Pouvoir, capacité. On va voir, attends. On va fonctionner par verbe. Pouvoir, et on va écrire action à côté. Voilà. Pouvoir, action, ouvrir porte, oui. C'est parti. Un glyphe également. Oui, j'ai bien. Mais c'est quand je dis pouvoir ou... comment dire? Ou action, c'est justement dans cette optique-là. C'est que je cherche le bon mot, mais donc je mets celle qui peut fonctionner. Ça peut aussi être s'il vous plaît, effectivement, ouais. On va voir si jamais on nous le redit. Ah. On a encore ouvert porte. Ah, je vais. Ah merde, il y a... Ah, peut-être je et peut-être tu. Ah, peut-être ça. Attends, si je revois le dialogue, ça c'était peut-être tu. Non, je, pardon. Alors que l'autre, c'était tu, peut-être. On va voir. Enfin, genre moi, toi, quoi. Écoutez, de toute façon, je pense que c'est un jeu à hypothèse. Oh, Bradine, on pense à toi. Très bien. Et là, maintenant, la balade continue. Jusqu'à aller plus haut. Ah! Alors, bonjour, je pense que c'est validé. Et ensuite, il y a toi, moi... Voilà, voilà. Allez. J'espère vraiment que, vu la quantité de mots, on nous donne pas à chaque fois la... En fait, je suis désolé, vraiment. Je pense qu'en plus, il y a les gens qui font le jeu qui vont sans doute passer par là. Je trouve ça tellement dommage que ça valide. Je trouve ça tellement dommage. Je comprends. Je comprends pourquoi ils le font. Mais ça brise un tout petit peu l'immersion de l'explorateur ou de l'exploratrice qu'il y a en nous. Mais... Après, peut-être qu'il y aura un mode où justement il n'y a pas de validation. Je sais pas, je sais pas. Ah, alors c'est peut-être moins traversé. On va voir. C'est que le début. On va voir, on va voir, on va voir. Et on ouvre. Et là, normalement, effectivement, on devrait pouvoir comprendre que le mot c'était effectivement rejoindre. Je pense. Retrouver, rejoindre un équivalent, quoi.
On peut revoir le dialogue et j'ai l'impression que ça nous donne accès à quelque chose. J'ai mis salut. On va dire que c'est le, ouais, le salut du bonjour et du au revoir, quoi. Pourquoi pas? Très bien. Allez. On va continuer à explorer cet endroit. Waouh. Le taf, le taf. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Ah. Alors, on a des symboles, effectivement, pas forcément évidents à deviner. Alors, LL, SS. Alors, je pense que, voilà, on va pouvoir les rentrer dans le... dans le bazar. Bon. J'imagine que c'est quelque chose que l'on comprendra peut-être plus tard. Ah. Et encore une fois ici. Je pense que ça c'est le soleil. Vu la manière dont il est représenté. Après il faudrait voir les autres. Et ici, on a quoi? Pardon. On a les mêmes symboles. Il y a un côté, évidemment, prière, célébration, évident. Ah, il y a quelqu'un qui nous parle. Il nous dit bonjour. Le nouveau son de Mano. Non, oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Excusez-moi. Merci Rarachnik, c'est abonné à la chaîne, merci beaucoup. Alors, est-ce que le... J'ai envie de piffer un truc ici. Ah, bon. Y a pas de parenthèse. C'est pas grave. Y a un peu le côté voyage, mais je peux me tromper complètement. Là déjà, je suis beaucoup plus rassuré à l'idée de découvrir, on va dire, effectivement les symboles petit à petit et de les déchiffrer, de les comprendre à mesure que l'on avance dans le jeu et qu'ils ne soient pas tous validés instantanément. Ah d'accord, ok. Chaud. Et là, il les faut les 4. Ah ouais, mais c'est dur. Ok. Ah, parce qu'il y avait des... D'accord, ok. Alors le soleil, je l'avais. Et c'est qu'après, il y avait potentiellement donc des... Eh hey, mais ça donne trop d'indices. Ça donne beaucoup d'indices parce que du coup là où moi j'étais à des années-lumière de comprendre le truc, en fait là finalement si je reviens sur les tableaux, il y a moins que je trouve. Donc c'est quoi, il y a une espèce de notion de... Alors attends. Bon, je regarde. Alors fermez la porte mais j'en les vois, hein. Donc ce serait potentiellement... Mais non! Ouais, je pensais ça. Attends, et il est encore vidé ou pas? Oui, voilà. Potentiel soldat ou je ne sais quoi. Je vais revenir juste en arrière pour essayer de regarder un petit peu. Il y a quand même cette notion du machin un peu arc-en-ciel qui tombe là, qui est pas net. Mais en fait, j'ai l'impression que le L tout seul, c'est quasiment l'humain ou la personne. Et qu'après, c'est l'humain avec sa spécialité. Et donc, l'humain avec les flèches comme ça, c'est l'humain qui est en conflit, l'humain qui se bat potentiellement, donc le soldat. Alors que l'humain ici, voilà, qui est avec le symbole du soleil... J'ai pas le mot, mais en gros, l'idée, c'est que ça peut être effectivement le... soit le croyant, soit le pèlerin, ou le guide, ou je sais pas quoi. Et donc, il y a une logique, et je pense que là, on est bon, ouais. Donc, c'est l'homme, l'humain, le dévot, voilà, le guerrier, j'avais. Ah, et le dieu, pas le soleil, d'accord, très bien. On était bon. Après, peut-être que là, les symboles qu'on a, c'est uniquement pour un premier chapitre, qui est celui de la démo.
Et après, ça va aller beaucoup plus loin dans le concept. Peut-être qu'en fait, on teste petit à petit et après, les choses vont se lancer, ouais. Alors, toi, traverser porte, ok, c'est pas clair. Les guerriers ont fermé la porte, très bien. Ce qu'on a vu en tableau, on va le retrouver finalement ici. La démo a l'air très généreuse, hein. Alors, je suis un dévot. Alors, Dieu me guide, je pense. Comme ça. Ah. Pas évident. Ah, peut-être plus protégé que guidé. Mais pourtant, il y a ce truc d'arc-en-ciel qui tombe, donc ça donne envie d'aller dans une destination en particulier. Dans la symbolique, il y a quelque chose. C'est plus le côté là où j'arrive pas à deviner le symbole, mais on verra. Celui-ci, là, il me semble difficile à percuter. On va voir. Ah, ok, là, ça se bastonne sévère. Comment ça m'en a pas rajouté? Et là, on nous dit... Très bien. D'accord, je vois un peu mieux ce que le jeu essaye de faire. Je retire ce que j'ai dit sur le côté validation des mots. En fait, ce sont plus des enchaînements de puzzles qu'une grande aventure de compréhension du texte. Donc finalement... C'est juste moi qui n'avais pas compris l'ambition du projet. Donc je retire ce que j'ai dit juste avant. C'est que finalement, on est plus sur une espèce de fonctionnement par tableau avec sa logique. Et en fait, chaque tableau te permet de débloquer des éléments de compréhension pour la suite qu'il va falloir compléter et ainsi de suite. Donc finalement, il y a une vraie logique de production qui est derrière et que je comprends d'un coup beaucoup mieux. Alors, on va essayer juste... Parce qu'effectivement, pour faire ce genre de choses-là, ce genre de tableau qu'on vient de vivre là, avec les gens qui sont dans la cité en train de parler et où tu dois deviner, tu peux pas faire ça si t'es pas sûr que la personne avant a identifié un certain nombre de mots qui doivent être validés pour être vérifiés et sûr d'être compris. C'est pas voyage, hein, a priori. Hein. C'est suivre. Alors, vous avez dit qu'on a débloqué un deuxième langage, effectivement. Donc, ça va être beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que là, on part sur du simple, effectivement. Et après, derrière, on va avoir d'autres langues. En l'occurrence, ici, celle des guerriers, des gardiens. Vous voyez ? Intéressant. Alors, juste, je reviens sur le voyage. Qui doit être suivre. La musique est très très cool. Hein. Alors où est-ce qu'on va aller par là-bas j'imagine. Ah non pas du tout. J'aurais dû le suivre plus rapidement je pense. Là-bas. Alors tu as trouvé... Alors je pense que c'est trouvé. Encore. Pouah, l'ambiance. Ça tue, hein. Ça tue vraiment. Allez, tu m'as trouvé encore une fois. Ah, vous dites que ça peut être chercher, sinon plus que suivre. Ah, peut-être, ouais. On verra, on aura la réponse, je pense, après cette séquence-là. Mais vous voyez, par exemple, sur le tableau, là, si j'y reviens, je suis sûr que j'ai des indices, finalement. Qui pourraient bien m'aider. Ah, on peut revoir les dialogues si jamais on a peur de les manquer. Ça serait par là? Peut-être, hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Le codex. C'est pas. Ah d'accord. Ok. Alors un autre langage qu'on a absolument pas. J'ai l'impression du moins. Ah si, on l'a. Attends, est-ce que je peux le voir? Ah voilà, toi, ensemble, moi. Ah, c'est un traducteur! C'est pas vrai? Et on a ici donc la tour de Babel. Sauf qu'on n'a pas du tout les éléments pour lui répondre. Très bien. C'est chatroulette! Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, en tout cas, je m'attendais pas du tout à un jeu comme celui-ci. Si bien que, vous voyez, sur le départ, mes attentes étaient un peu en décalage par rapport à ce que le jeu propose. Et au final, absolument convaincu. C'est vraiment extrêmement bien. C'est même pas juste bien, c'est vraiment extrêmement bien. Et à tous les niveaux. Ah. Des nouveautés. Alors, moi, machin, traverser... salut. Ok, attends. Tu parles trop vite. Alors on avait dit que traverser ça pouvait être aussi rejoindre. D'ailleurs on va le changer tout de suite, le traverser en rejoindre, parce que je le sens pas le... Ouais, c'est plus rejoindre je pense. Ah bon? Ah je me suis trompé. Ouais. Ah non ça ouais, ton traverser rejoindre et on n'a pas le dernier. T'as ma famille peut-être? Il y a plein d'individus. Mince. Je fais un mélange de clavier manette, c'est pas le top. Est-ce que c'est pas la maison ou le foyer? Il y aurait une logique quand même. Faudrait voir, ouais. Ah, passage secret. Alors, faut que je retrouve. Donc, suivre, c'était ça. Trouver. C'était ça. Et il y a caché. Ah ! Mince. Je suis censé l'avoir, ça ? Alors, peut-être qu'on peut le trouver par déduction. Pas facile, pas facile. Ah, vous pensez que c'est chercher plutôt? Et l'autre c'est plutôt aller alors. Ah oui, chercher, trouver, vous avez raison. Donc c'était cherche-moi, ensuite trouver, et ensuite c'est suivre. C'est aller, machin, etc. Se déplacer en gros quoi. Et se déplacer, c'est, elle disait je rentre chez moi. C'était pas ça. Alors c'était celui-là je crois. Non plus, ok. Est-ce que je m'embrouille? Ah, c'était aller passer. D'accord, ok. Bon. Mon rejoindre était pas ouf. Finalement, le traverser était plus proche que rejoindre dans le sens. Et je pense vraiment que l'autre c'était je rentre chez moi, je vais à la maison ou un truc comme ça. Mais dans le doute, je veux quand même être sûr de voir qu'ils nous disent salut, bienvenue chez moi ou un truc comme ça quoi. Ah ouais, ok. Alors, Devo. Alors, on imagine que c'est un truc lié au fait d'emprisonner ou de chercher ou de... J'ai pas le mot exact, mais en gros, cette idée de... S'il nous trouve, il va nous démonter, quoi. Ah, peut-être c'est ne doit pas nous voir. Ah. Ça, c'est peut-être voir. Et peut-être que l'autre, c'est la négation. On va voir. Je peux me tromper, mais ça peut être une formule pour dire de la négation.
presque envie de dire ici, mais je peux me tromper. Parce qu'il y a un côté point marqueur sur une map un peu. On va voir. D'accord, donc là il sert de la... comment, de la terre ou des caillasses pour pouvoir activer la cloche. Pensez à activer la cloche aussi, hein. Et son caillasse. Allez, on y va. Le moment MGS. Alors vous savez, l'infiltration et moi, c'est une grande histoire. Approchez-vous d'une cachette et appuyez sur le bouton action pour s'y dissimuler, comme ceci. Longez les murs grâce au stick gauche. Là. Bram ! Les playtests de ce jeu, ça devait être un truc de fou. Ça devait être trop bien, mais ça devait être vraiment un truc de fou. Ah voilà, déplacement libre. Et là, on se casse. Très bien. Parce que là, le truc, c'est que si, ce qu'il faut tester en premier quand tu fais essayer ton jeu, c'est si les gens comprennent ce que tu essayes de faire dans ton level design, quoi. Et c'est pas facile du tout. Donc il y a vraiment un truc qui doit être super intéressant là-dedans. Alors, nous ne devons pas aller par ici. Le dévot a fermé la porte. Moi, c'est nous, en fait. Nous chercher quelque chose. Un raccourci, un passage secret. On va regarder. Je mets raccourci, mais je pense que c'est pas ça. Mais l'idée, c'est qu'on comprend que c'est autre chemin ou un truc comme ça. Je pense que je suis pas mal sur la traduction, là. On va voir. On a trouvé... Ah, la clé! Il a fermé, on doit trouver la clé. Allez, bam! Prends ce clé avec un F. Toi, trouver la clé. Et nous, partir? Peut-être partir, on va voir. La démo est effectivement vraiment, vraiment chouette. Hein. C'est très complet, on voit plein de choses. En fait, ce qui tue, c'est surtout le fait que les démos du Steam Fest cette année, elles sont beaucoup trop polies, quoi. C'est hallucinant. Il y a vraiment énormément de démos qui sont des extraits de jeux finaux, vraiment comme si on l'achetait, quoi. Ce qui n'est pas souvent le cas d'une démo normalement depuis un petit moment, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus les démos sont très, très ambitieuses. Bon, mais voilà, on a terminé la démo, on aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense. Eh bien écoutez, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que on va arracher le jeu Day One parce que vraiment, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc non, très 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 cool. Il y a une part de moi qui me dit que ça aurait été effectivement sympa si le concept avait été construit de sorte que il n'y ait pas besoin de validation pour avancer. Parce que la validation, elle est nécessaire dans la manière dont le jeu a été fait. Et on sent que toute l'œuvre complète de ce qu'on est en train de voir là est quelque chose de vraiment décidé, réfléchi, et donc tout va dans ce sens-là, donc c'est extrêmement cohérent. Bref, c'est un jeu extrêmement réussi. Mais c'est vrai que par rapport à mes goûts personnels, il y a une part de moi qui me serait dit ça aurait été cool d'avoir des ajustements qui font que, en fait, tu peux très bien avancer vraiment à l'aveugle et juste aller d'un bout à bout de l'aventure. Mais ça n'aurait pas été le même jeu, c'est ça que j'essayais d'expliquer. Et c'est pour ça que tout à l'heure je me suis corrigé, c'est que j'ai mal compris ce que le concept essayait de faire. Et vous savez, vous changez un élément du concept de base, qui est quand même important. C'est-à-dire, est-ce que tu fais tout le jeu avec des stops qui te disent « c'est bon, t'as bien compris » ou est-ce que tu ne le fais pas ? Tu ne fais pas le même jeu derrière, ni la même progression, ni la même richesse, parce que là du coup ça se permet d'avoir plein de langages différents et ça tu ne peux pas le savoir sans interface par exemple. Donc il y a vraiment toute une notion qui va dans ce sens là et je trouve que la manière dont ils ont fait le truc est vraiment génial. Enfin c'est vraiment super bien. Donc très 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 bon jeu et du coup très content de m'être plongé dedans parce qu'effectivement je m'attendais pas à ça et au final je suis très agréablement surpris. Donc j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Pour les gens du live, ne quittez pas, on va faire d'autres jeux et bah, pour la VOD vous n'hésiterez pas à me dire évidemment si ça vous a plu. Voilà, je file. Bye tout le monde, à la prochaine.